Salut à tous, ça faisait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu qui est exceptionnel. Normal, oui. Il est très particulier, mais il est vraiment très fun. Autrefois, cette cité était pleine d'énergie, sale et dangereuse, mais vivante et merveilleuse. Aujourd'hui, tout a changé. Ça s'est fait sans bruit au début. Personne ne réalisait ou ne s'en souciait. Les gens ont accepté. Ils ont choisi une vie tranquille. Mais pas tous. Ceux qui ont refusé de se conformer sont devenus des marginaux. Des criminels. Ils sont devenus nos clients. On nous appelle les messagers. Nous vivons sur le fil qui sépare le brillant et la réalité. Le fil du miroir. Nous restons à l'écart, hors de vue. Et les policiers nous laissent tranquilles. Les messagers voient la ville à leur façon. Sur le fil, les toits se transforment en chemin et en conduit, en issue et en raccourci. Sur le fil, nous restons en mouvement. Et donc, en vie. Pas terrible cinématique, hein? Entraînement, Face. Ouais, je sais, ah, t'aimes ça pas va ça, mieux. Mais t'as chuté ta mise hors service un moment. Alors, non, tiens-toi en forme, ça peut servir dans cette ville. Et c'est donc ce nouveau parcours. Céleste me doit une course, alors suis le mouvement, ok? Si pas un pixel. La vue, te gêne pas, ok? Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Il y a peut-être qu'ils connaissent pas. Mouvement en bas, d'accord, ouais, on peut sauter ou glisser, ok. Donc c'est un jeu de parcours, tout simplement. Un jeu en vue FPS, très immersif. Commande de base, c'est bien. Allez, j'ai le droit. Oui, c'est bien. Hop là! Ah, je l'ai loupé! Olé! Ah, ça fait longtemps. La voilà, celui-là. Salut, Face. Contente de te revoir plus tôt que prévu. Ça a pas forcément super bien vieilli. Mais après, quand on aura les sensations de... d'échapper, ça ira beaucoup mieux. Ah, il passait pas au-dessus, en dessous, je veux dire. Ah bah oui, bah j'ai compris qu'il y avait un échec. Pour enfoncer les portes, ok. Sécurité de touche. C'est le petit didacticiel, c'est pas forcément super plaisant. Oula, je suis allé comme un bœuf, moi. Donc c'est le premier, hein. C'est pas celui sur Xbox One Catalyst. C'est Mirror's Edge. Mirror's Edge 360 en rétrocompatibilité. Regardez la gouttière sur votre gauche et sauter, oui d'accord. Voilà, voilà, voilà. Bon bah... Ok, mais faut aller où? Grimper vers leur bord du dessus. Oui, c'est ce que je voulais faire en fait. Je sais pas pourquoi elle a continué de glisser là. C'est la marcher sur une savonnette ou quoi, mais... Voilà. Bon, le tutoriel, c'est vraiment encore guidé, guidé, guidé. Ok. Donc c'est un jeu qui mélange le blanc et les couleurs vraiment vives pour nous montrer des trucs. Voilà, rouge quand c'est quelque chose qu'on peut utiliser.
Y a pas mal de couleurs comme ça, on verra du vert, du bleu. Sauter vers la tyrolienne. Oui, bah, je suis pas à la tyrolienne, bouge pas. J'y vais. Est-ce que ça va rester un coup de cœur? On va voir. On va voir. J'avais prévu de le faire en coup de cœur. On verra si ça se maintient comme ça. Ah oui, on peut faire ça, ok, d'accord. Merde, maintenir. Ah bah oui, fais-moi recommencer, oui. Mais, maintenir près du sol. Ah, c'est près du sol, ok. Voilà. Ok. Bon, il y a forcément des bugs, hein. Faut être honnête, hein. On va en voir, à mon avis. On a déjà vu quelques-uns, hein, quelques légers bugs de collision ou approximation. Que je teste tes talents de combat. On ne sait jamais. T'es prête? Ok, vas-y. Alors, le bruit est un peu exagéré. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Combiner les moments attaque pour être plus efficace. Ouais, il y a moyen de faire okay, des trucs stylés. Mais... On va essayer un peu le désarmement. Au cas où. Donc il y a un peu de FPS, il me semble. Mais je sais plus si on tire vraiment. Je crois que si. Hein. Ouais, si, si, vu qu'il y a ça. Les bruits sont même pas dégueulasses. Pas dégueulasses. Eh ben, pourquoi j'ai perdu en fait? Tirer avec RT, mais pas sur Céleste. Rappelle-toi ce que je... D'accord, voilà. Isole-les, okay. Prends-en un à la fois si tu dois te battre. Pour désarmer de front. Ah merde, bah d'accord. Il y a de l'idée, hein. C'est plutôt stylé quand même. Hein. Ralentis l'action. Ok. C'est très stylé, c'est dommage, ça, okay, c'est un peu rigide. Bon, aujourd'hui les filles, on va passer aux choses sérieuses. Break a un boulot pour toi, Sel. Vois ça avec lui. Face, fais-moi signe quand t'es prête. A plus tard, Face. C'est un jeu qui est très guidé. C'est un couloir en gros. Ça se voit pas forcément que vous voulez vous faire jouer. Bah oui, jouer. C'est un jeu assez guidé. On va vraiment suivre un chemin que tout le monde va suivre le même, en gros, un peu de choses près. Mais c'est ça aussi qui fait son charme. Parce que ça nous fait vivre des trucs vraiment très 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 bons. Là, c'était pas terrible parce que c'était le didacticiel, mais on verra qu'au cours des missions, ça prend de l'ampleur quand même. Par contre, le Mirror's Edge Catalyst sur Xbox One est un jeu à monde ouvert et c'est à mon avis ce qui a gâché une grosse partie du jeu. Alors là, c'est pas moi qui joue. Ça va pas tarder, je pense. C'est vraiment stylé, je trouve. Donc, faut vraiment utiliser les boutons comme il faut pour aller plus vite. On n'est pas obligé, je crois, pour certains, à part si on se fait mal, mais... C'est pour aller plus vite et ouais, c'est vraiment stylé quand même. Ouais, je pense qu'on est tous impressionnés, Faith. Quand on aura fini de faire la baisse, tu pourras essayer de te concentrer un peu plus sur le boulot. Céleste est en position pour la livraison. T'as juste à lui passer la manette. Elle t'attendra près de la tour de communication. Merde. J'ai voulu appuyer A, je me suis dit, mais c'est pas LB pour sauter. C'est pas possible. Bah, si, si, si. C'est pas très intuitif ça, hein, ce niveau-là. Mais, ouais, j'ai même pas réussi à l'accrocher. Ah, c'est... Alors, soit je suis pas au bon endroit, soit je suis nul. Mais ça, c'est exclu, ça. Ça, c'est exclu, c'est pas possible. Ça me paraît pas possible. Voilà.
Elle a pas voulu faire la roulade. Ah, dommage. J'étais un peu loin. Je commence à me rappeler un peu. Après, c'est vraiment un itinéraire, le jeu, donc... Puis on voit donc les trucs rouges sont là pour nous aider. Je crois qu'en mode difficile, les couleurs disparaissent des objets qu'il faut utiliser pour justement augmenter la difficulté. Mais... Céleste risque de s'impatienter, elle est presque à la tour et toi non. Bouge-toi et bats-lui la mallette. Elle prendra la suite. Et hop là, merde. J'ai raté comme une grosse quiche. Ah, j'y crois pas. La vue FPS, c'est assez curieux. Il n'y a pas de bouton de course. Et elle court toute seule, donc ça aussi, c'est un petit peu... Tu fais parler de toi, Faith. Perturbant. L'hélico de journaliste t'a repéré et a prévenu les flics. Je sais que tu peux te débrouiller quand ça chauffe, mais concentre-toi sur la livraison ou notre client deviendra plus dangereux que la police. Alors, on peut faire ça. Non, c'est trop étroit ici pour faire un demi-tour. Voilà, eh bien. J'avais du mauvais côté, bah bien sûr. Bah bien sûr, c'est tout moi ça. Heureusement qu'elle est costaud de Simone, hein, parce que. Et du coup. Ah oui. Ah oui, d'accord. Bah alors du coup. Da fuck. Ok. J'ai appuyé le bouton pour me retourner. À moins qu'il faille que je m'accroche. D'accord, d'accord. Oui, bah je suis un peu bête. Désolé. Ah oui, faut trouver des sacs. Ouais, bon bah. Osef. Osef des sacs. Essayez toujours de fuir vos ennemis. Oui, c'est plutôt le but du jeu. Hein. C'est pas un FPS. Hein. Voilà, ça commence. C'est là que les sensations arrivent. Ça sent pas bon du tout là, il y a pas d'ici, mec. Je cherche Céleste. Céleste, tu me reçois? Qu'est-ce qui se passe ici? J'entends des tirs et un hélico nous surveille un peu trop près. Faith est en route, prépare-toi à décoller en vitesse. Merde, j'ai pas le temps d'appuyer. J'ai envie de l'appuyer le plus tard possible et... Je sais même pas où je vais là. Si, ça doit être par là. Les ennemis, oui. Neutralisez-les, évitez-les. Ah bon sang. Mais bon sang, il est en train de me viser. Pourquoi il donne un coup de poing 10 minutes après? Ah. C'est assez difficile de le reprendre, hein, de le reprendre en main là. Bon bah il y a HS. Non? D'accord, j'ai mis mon coup de pied 10 mètres à côté. Je sais pas par où faut que j'aille. Je me rappelle plus. On va dire par là. Je trouve faut que j'aille derrière moi là. Je sais plus où faut que j'aille. C'est...
La rage est présente en toi. Mais ça m'énerve, je comprends pas. C'est un jeu qui est très stylé, mais alors qui est assez frustrant. Faut vraiment trouver ce qui va pas. Je pense qu'il faut que j'aille l'attaquer en fait. Oui, d'accord. Bon, c'est qu'une balle, hein. C'est pas grave. Voilà. Ok, je vois safe. Rejoins Céleste et fais attention aux flics. Dépêche, Faith, t'as les flics au cul. Faith, envoie-moi la valise. Ah ouais, elle est pas lourde. Fais gaffe, Cell, il ne plaisante pas. Ça ira. Merde, cours. Ah, ils y vont carrément en fusil d'assaut, les mecs. Hein. Je sais pas qui j'ai tué, mais... Tu dois quitter ce toit, Faith. Peu importe comment, mais fais-le. Youhou! Ça, c'est très stylé, des plans comme ça. Bon, ça se voit que c'est vraiment très, très scripté, très fait pour, mais... C'était supposé être un job de routine. Pourquoi ils ont tiré, bordel? Je sais pas. Ils ont juste ouvert le feu. Je me demande ce qui se passe. Je me renseignerai. Ramène-toi à la base, Faith.